Juste un point précis, le tutoiement. Le tutoiement, c'est interdit, c'est totalement interdit, c'est dans notre code de déontologie, c'est spécifié noir sur blanc. Et tout comme le fait d'être impoli ou discourtois avec une personne qu'on accueille, ça ne fait pas un pli, j'allais dire. Filmez les autres, au lieu de vous filmer, connasse alors. Vous m'avez dit connasse? Oui, parce que tu nous filmes, moi, filmez les autres. Pas de soucis, c'est ouais. Filmé. Oui, prends la photo, dis-nous que j'ai la photo. Non, c'est filmé. Espèce de cochon, là. Vous m'avez traité de connasse, monsieur, donnez-moi votre RIO. Tout le monde n'attrape pas de prison à faire. Allez, casse-toi, va. Casse-toi. Attirez mon cadre, là. C'est un petit républicain, attirez mon cadre. Allez, va-t'en, monsieur, je prends ton nom et je vais te rentrer. Vous allez me rentrer où, monsieur? Vous allez me rentrer où, monsieur? Lui, j'en peux là, ce fils de pute, là. Allez, dégagez, maintenant, dégagez, allez. Je suis journaliste. Je m'arrête, t'es journaliste, mes couilles, dégagez. Je suis journaliste. Dégagez. Je suis journaliste. Hier, je me suis fait traiter de sale pute par un baqueux, parce que je lui demandais juste de pas viser la tête. Est-ce que c'est normal, monsieur Castaner? Est-ce que c'est normal qu'on puisse plus faire notre métier de journaliste depuis des mois? C'est nous qui avons tout cassé, là. Alors dégage. C'est nous qui avons tout cassé. Alors tu dégages. C'est quoi, c'est le policier qui a piétiné l'appareil? Il a littéralement explosé de grande joie. De grande joie, et au passage, je dis ça parce que c'est important. Quand il a fait la clé d'étranglement, il m'a dit t'es toujours journaliste, fils de pute. Enfin, t'es toujours journaliste salope, c'était ça. T'es toujours journaliste salope. Ne me filmez pas, parce que je vais l'éclater ton téléphone. Ne me filme pas. Votre carte de passe est à l'intérieur. Très bien, merci. Bonne soirée. Mais je suis journaliste, hein, je fais mon travail. Je m'en fous. Monsieur, je pourrais donner votre matricule puisque vous venez d'insulter quelqu'un. Dites quoi, monsieur, pour merde, c'est ça? Je ne tolère pas que le monsieur m'insulte là-bas. Merci. Pardon? Vous dites, monsieur? Ouais, c'est déjà toi, t'as pas peur de stress, tu dégages. Je suis le journaliste indépendant, je dois tu dégages. J'ai changé les mêmes règles. Tu dégages. Des règles de nous. Tu t'approches pas de nous, tu comprends pas. Ça vous amuse de frapper des journalistes? Ferme ma gueule, c'est nouveau ça. Vous m'avez pas demandé de reculer, je recule, j'obéis aux ordres. Et vous venez de me donner un coup de tonfa sur mon objectif. Vous vous rendez compte? C'est ça que vous voulez représenter? Vous êtes dans l'obligation de porter votre matricule, aucun de vous ne porte vos matricules. C'est ça, la vision de votre métier, vous êtes rentré dans la police en disant j'ai pété l'objectif de quelqu'un qui est en train de filmer une arrestation, je suis à 30 mètres, vous ne vous gênez pas. Rentre chez moi, c'est ça votre vision? Vous me tutoyez? Vous devez me voyer normalement, monsieur. Maintenant qu'en attendant, s'il y a une photo qui est diffusée, porte plainte pour toi. Tu sais très bien que la diffusion, c'est interdit. Ah non? D'accord. Et le coup de la presse, c'est ça, la presse. La bêtise de la presse. Ah non, tu l'as dit que je te l'ai appris. Voilà. Voilà. Je te le dis, je vois une photo. Regarde devant, bonne. Pardon? Vous m'avez dit quoi, monsieur? Vous m'avez dit, filme-moi encore, je te déchire? C'est ça? Pardon? S'il te plaît, peut-être là. Non, s'il te plaît. Bon. Parce que enlève ta vidéo, je te déchire, non? On est journaliste! C'est la presse!
C'est la presse, une carte de presse. Pour vous, c'est une carte de